Alors, chers élèves, vous devriez avoir fait vos carrés pour chacun des segments qui forment le triangle. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer des carrés autour avec l'aide des points qu'on a. Et ensuite, on va faire afficher l'aire de chacun des carrés et aussi la somme des aires des deux catètes. Alors, pour commencer, pour tracer les rectangulaires, on doit venir chercher l'outil polygone, qui est en haut ici à gauche. Alors je prends l'outil polygone et je viens tracer un carré pour chacun et je dois terminer où j'ai commencé. Alors je viens faire mon deuxième. Hop. Hop. Et je viens terminer ici. Et voilà. Alors, on voit ici que j'ai où c'est qu'on monte les variables, à gauche, j'ai trois quadrilatères qui me sont proposés. Et il y en a un qui s'appelle Poly 2, Poly 3, Poly 4. Et on voit aussi l'aire de chacun de ces quadrilatères-là. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va. Oups, je vais faire pomme Z. Alors, je retrace mon quadrilatère. Sélectionne mon outil polygone. Et je viens sélectionner mon quadrilatère. Hop, hop, hop. Voilà. Fait que là, j'ai mes trois polygones. Je viens sélectionner mon outil souris. Et là, je peux sélectionner mes trois polygones. Je vais cliquer droit et je vais faire propriété. Et là, ce qu'on fait, c'est comme j'ai les trois sélectionnés en même temps, je peux changer les étiquettes. Les changements que je vais faire dans leurs propriétés vont s'appliquer aux trois. Et là, je vais afficher les noms et les valeurs pour les trois. Et on voit ici que pour Poly 4, j'ai ceci comme aire, 25,91 comme aire. Alors, ça, c'est une première chose. Maintenant, tu vas sélectionner chacun des points de ton qui sont sur l'axe des X. Alors, ici, on voit que le point, je ne peux pas le déplacer sur l'axe ailleurs que sur l'axe des Y. Même chose pour lui, je ne peux pas le déplacer ailleurs que sur l'axe des X. Alors, je vais double-cliquer sur mon point. Et là, on voit que c'est écrit point axe des X. Alors, ce que ça dit, ça, c'est que ton point ne peut être que sur l'axe des X. Alors, ce qu'on va faire pour empêcher ceci, on va écrire un point sur l'axe des X directement. Et là, l'axe des X, c'est le premier. Alors, on va mettre, mettons, 6,0. Et j'appuie sur OK. Et là, on voit que mon point s'est déplacé au bon endroit. Et je vais double-cliquer sur celui-ci maintenant. Le point de l'axe des Y, et on voit qu'il est, lui, sur l'axe des Y. Alors, je vais donner une coordonnée sur l'axe des Y. Ma coordonnée, c'est 0 pour l'axe des X, et je vais dire 9 pour terminer. Et j'appuie sur OK, et on voit bien que j'ouvre les parenthèses et je ferme les parenthèses à chaque fois. Et là, j'ai finalement mes quadrilatères. Et ce qui va se passer, c'est que mon point, je vais pouvoir le bouger ailleurs que sur l'axe des Y, ailleurs que sur l'axe des X. D'accord? Alors, il me reste juste une dernière chose à faire, c'est d'afficher la somme l'aire de mes carrés de mes catètes. Alors, celui-ci et celui-ci. Alors, je vais d'abord me créer une variable pour la somme, que je vais appeler somme, et je le fais en bas ici. Je vais dire somme est égale à poly 4, qui est le nom de mon polygone, qui est à gauche. Et en dessous, mon polygone s'appelle poly 3. Je vais faire plus poly 3. Et là, enter. Et on va voir que j'ai ici une variable où c'est que c'est écrit nombre. Et la somme, elle est écrite. Alors, si je bouge mes points, eh bien, on voit que cette valeur, cette variable, change elle aussi. Alors, voilà. Maintenant, il me reste simplement qu'à l'afficher. Et là, je vais aller sélectionner mon outil texte. Je vais insérer du texte. Je clique ici et là j'écris une formule que je vais utiliser. Je vais utiliser la valeur des objets. Je vais utiliser la valeur de poly 4 plus celle de poly 3 et je sais que ça va être égal à ma variable qui s'appelle somme, entrée, et j'appuie sur OK. Et là, on voit que 64 plus 36 égale à 100 et que ma valeur de poly 2 est égale à 100. Alors, j'ai finalement un triangle rectangle. Si je le bouge ici, 64 plus 36, 64 plus 36, ça fait 100. Mais là, mon poly 2 est égal à 88. Alors, finalement, l'aire de mon carré d'hypoténuse n'est pas
n'est pas bon. D'accord? Alors, ce n'est pas un triangle rectangle. Alors, voici, maintenant, vous avez la base pour créer ce fichier. Alors, j'espère que ça ira bien.